Excellence, Madame la ministre représentante du président de la République, Excellence, Madame la ministre de la consommation locale, Excellence, Monsieur le représentant du président de l'Assemblée nationale, Excellence, Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Messieurs les secrétaires généraux des préfectures du Golfe et d'Abaniné, Mesdames et Messieurs les maires, vénérés chefs cantons du village et quartier, parents de nos jours, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux et municipaux, autorités civiles, administratives, militaires et religieuses, Monsieur le Président du Conseil fédéral de Guinée-Bissau, Monsieur le Président du Comité d'organisation et Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des commissions de Guinée-Bissau, Mesdames, Messieurs les membres des bureaux politiques exécutifs des associations communautaires UCAD d'Aguanimé, UFAD d'Afrao et BNC de Bain, chers frères et sœurs des communautés Afrao, Bain et Aguanimé, Mesdames et Messieurs les journalistes, vaillante population du Grand Loulé, chers invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un honneur et un réel plaisir de prendre la parole en ce moment solennel pour souhaiter à toutes et à tous ici présents sur le territoire d'Aguenivé une cordiale bienvenue à cette manifestation festive marquant l'apothéose de notre fête traditionnelle du Minosan, 6e édition de 2024. Je me réjouis particulièrement de la forte mobilisation des différentes couches sociales du Grand Loulé et d'ailleurs pour participer aux manifestations de ce jour. En prenant part massivement à l'apothéose du Nyonza de ce jour, nous avons ainsi décidé de réaffirmer notre amour et notre fierté d'appartenir à un même espace communautaire, partageant la même défi de développement et les mêmes valeurs culturelles. Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'objectif général de cette fête est de rassembler et de mobiliser les descendants des patriarches fondateurs de Lomé, la capitale de notre pays, le Togo, autour de leur histoire, culture et tradition, afin de les valoriser, de les réapproprier et de les transmettre aux générations présentes et futures qui semblent les ignorer complètement, perdant ainsi leurs racines et leurs origines. Rappelons que les Bains, les Aguaniers et les Afrao constituent historiquement un même peuple frère lié par les mêmes aspects identitaires, culturels et sociologiques. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de célébrer ensemble une fête traditionnelle commune pour valoriser leur culture et tradition. Les patriarches et descendants des trois peuples bains, Aguenivé et Afrao, après s'être affranchis du règne du roi Akokoli à Agobomé, dans la grande cité de Nantes, ont trouvé entre le XIIIe et le XIVe siècle
refuse et étude un mieux vivre dans cette cité d'État qui est aujourd'hui nommée la capitale du Togo. En cheminant ensemble dans l'heure des choses, c'était tout fier de cette solidarité et fraternité qui les unissait depuis à Togo en l'entier. C'est ainsi qu'en célébrant annuellement tous les innocents, nous faisons connaître l'histoire des aigrés dont leur patrimoine foncier abrite aujourd'hui la capitale du Togo. À travers tous les innocents, nous rappelons les us et coutumes des pères fondateurs de l'Omé dont nous sommes fiers d'en être les descendants. C'est pourquoi, au-delà du symbole identitaire et culturel, l'innocent constitue pour nous un outil de maintien de la cohésion sociale, de passage culturel et d'ouverture pour le développement endogène. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais saisir l'occasion pour exprimer au nom des chefs traditionnels du Grand Omé notre profonde gratitude aux autorités étatiques et politiques d'avoir répondu à notre invitation. Notre reconnaissance à l'endroit du comité d'organisation et des commissions pour l'immense travail accompli sans oublier la disponibilité et les conseils de nos respectifs chefs traditionnels sans lesquels ce grand événement n'aurait pas pu voir le jour. À nos vaillantes populations du Grand Omé, nous vous remercions sincèrement pour votre mobilisation massive qui témoigne notre adhésion à la célébration de l'histoire de la ville de Lomé. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer en vous invitant à bien suivre les différentes prestations culturelles qui vont meubler l'événement qui nous rassemble ce jour. Vive la fraternité, la solidarité et le vivre ensemble des communautés du Grand Omé pour que se réalise le développement et le bien-être des populations du Grand Omé en général et du Grand Omé en particulier et du Togo en général. Bonne fête, donnez-nous-en à nous tous. Vive le Togo, qu'est-ce que nous croyons, je vous remercie. Il y a un passage à l'école, il y a un passage à l'école, il y a un passage à l'école.